3-0 pour Sochaux. Oh. 2-1, après, 2-1 comme, pour, comme contre l'Orient. Faut se méfier de Reims à l'attaque surtout. 2-1. 2-1 pour Sochaux. 3-1 pour Sochaux. Moi j'ai pronostiqué 1-0 pour Sochaux. On marque un but de raccro dans les 15 premières minutes et ensuite on est arc-bouté derrière. Tous mes pronos sont toujours justes jusqu'à maintenant. Donc, vous êtes. Côté supporter, on ne peut pas être bon partout, notamment pour les pronostics. Mais au niveau ambiance, de l'avis du président Plessis, il n'avait jamais connu cela au Stade Bonal. De quoi faire oublier définitivement cette vilaine journée du mois de juillet, même pour les plus émotifs.
sait qu'une fois que ça va au penalty, ben c'est au petit bonheur de la chance et ils ont mieux géré ces événements-là que nous. Donc félicitations à eux. Sincèrement, j'ai pas envie de chercher d'excuses. Je pense que tout le monde est conscient de l'effectif qu'on a au jour d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde a bien vu avec quelle équipe on a terminé sur le terrain. D'ailleurs, chapeau au travail de Franck Chalençon pour avoir permis à ces mecs-là d'être au niveau aujourd'hui. Mais encore une fois, je vais pas chercher d'excuses. Je vais pas aller chercher des détails. Là, il y en a pas. On est une équipe de Ligue 1. On a un effectif tel qu'il est au jour d'aujourd'hui. Et je pense que tout le monde de sensé ou d'intelligent peut le connaître. Déçu. On reste des êtres humains, on reste des joueurs de foot. Donc forcément, tu as envie de gagner, surtout quand tu vois le match en général. Je pense que logiquement, on a dominé, mais ils ont été super bien organisés et très décisifs et efficaces sur leur moment. Donc non, on est déçu. On voulait aller loin en coupe. C'est pas le cas. On perd sur des pénalties et j'en prends l'entière responsabilité. Je n'en veux à personne et je félicite sincèrement du fond du cœur cette équipe de Sochaux. Le plus tard possible. Le plus tard possible. J'ai envie de dire que c'est proportionnel à la peine et au moment difficile qu'on a vécu pendant l'été. Et quelque part, c'est la juste récompense de cette énergie, de l'amour que les gens ont pour leur club, de l'amour qu'ils nous transmettent et de la passion qu'il y a autour de cette équipe qui effectivement nous transmet des émotions, même quand on est en grande difficulté comme ce soir. Elle a toujours la ressource pour rester vivante. Ouais, on a été héroïque parce que c'était franchement très très dur d'exister dans ce match en termes de football. Mais ce que je leur ai dit, qu'il y a des valeurs dans le foot qui sont particulièrement précieuses et nobles. La solidarité en fait partie, le courage, l'abnégation. Et ce soir, on a su faire appel à ces valeurs-là quand en termes de football, l'adversaire était très nettement supérieur. Mais c'est la beauté de la coupe. Et je crois que dans ce stade, tout est possible, en fait. Franchement, quand j'ai vu le début, je les savais très fort. Mais je me suis dit, voilà, ça va être quand même un gros morceau. Mais on est resté calme. Là, on va pas se mentir, Dao, il sort deux fois de sa boîte, il nous fait quand même grand bien sur ces salons. Mais au-delà de ça, il y a quand même une solidarité qui fait aussi toute la noblesse de notre sport, parce que parfois, en Coupe de France, et c'est la seule compétition qui est comme ça, un plus petit peut battre un plus gros. Et ce soir, je crois qu'on a quand même joué un gros morceau. On a su battre un gros morceau. Non, il y a eu aussi, c'est vrai qu'on est tellement habitué à être plutôt dominant et que c'est... On avance quand même dans certains secteurs de jeu qui sont aussi ceux d'une bonne équipe, à savoir la rigueur, la discipline tactique, faire le dos rond. On a quand même aussi eu des moments où on a vu que nos joueurs étaient capables de faire des choses. Après, il y a des choses qu'on avait essayé de mettre en place qui n'ont pas été toujours au bout, mais il y a aussi des choses que j'ai vues qui étaient quand même d'une bonne qualité. C'est vrai, il y a de la ressource, il y a une forte solidarité dans ce groupe. Il y a une forte cohésion entre tous et il y a une énergie positive. On sent quand on est entraîneur les énergies dans un vestiaire, si elles sont positives, si elles sont négatives. Il n'y a pas de personne dans ce groupe qui tire le groupe vers le bas. Au contraire, après, c'est mon rôle de le préserver, de l'entretenir et de le développer. Mais en fait, c'est un tout, c'est une alchimie entre les dirigeants, les publics, le staff, les joueurs. Il y a vraiment en fait une unité, en fait. C'est le mot d'unité qui me vient comme ça spontanément à l'esprit. Ouais, c'est... vous savez, quand on est coach, on essaie de tout imaginer. Les pénaltys étaient aussi une option, d'où la présence de Kevin Hogas qui n'était pas apte à jouer beaucoup plus que ce qu'il a joué, mais il y avait l'option pénalty pour Dimitri aussi. Et puis c'est Dim, avec du haut de son expérience, comme quoi c'est l'histoire du football, c'est comme ça. Par contre, chapeau à Dao quand mes deux, aux mecs qui vont les tirer, on va jusqu'à Thomas. Puis franchement, on a tous énorme confiance en Mathieu qui est assez remarquable quand on en fait à l'entraînement, qui a un taux de réussite sur les tirs au but. Il a un flair, en fait, il sent les choses parce qu'il en sort un, mais deux fois, il n'est pas loin d'en les sortir, il sent, en fait. Je crois qu'il n'a même pas besoin qu'on lui donne trop d'indications, parce que celui qui l'arrête, c'est celui sur qui on n'avait pas d'infos, en fait. Ouais, elle est sortie. Elle est sortie. J'ai essayé de la retenir, mais elle était là. Mais en fait, c'est beaucoup d'émotions. Des fois, je me demande
si on mérite tout ça, mais sans doute qu'on le mérite et on prend en tout cas. C'est des moments, j'ai dit aux joueurs de savourer ces moments-là parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça. C'est avant le match hein, que je leur ai dit, donc là ce soir, c'est encore autre chose de savourer des moments en plus stade. On est au même titre que j'avais dit le 14 juillet devant la tribune pleine, la tribune nord, que ces moments-là allaient. On l'espérait solidariser les différents acteurs, parce que souvent il y a des barrières entre les supporters, les joueurs, il y a beaucoup de choses qui sont cloisonnées et puis qu'on cloisonne nous-mêmes parfois parce qu'on fait des différences. Et là, en fait, avec ces événements-là qu'on a vécu, il y a une grosse union et je pense qu'il faut qu'on réussisse à entretenir cette alchimie, cette osmose entre les acteurs. Je pense que les joueurs ici se sentent hyper bien en fait dans ce stade parce qu'ils sont soutenus, ils sont aimés. Et je crois qu'un être humain et un joueur de foot encore plus, mais un être humain d'une façon générale, quand il reçoit de l'affection, il a envie de donner beaucoup. Et c'est la preuve ce soir voilà, je crois que c'est les quatre tribunes qui sautent. Enfin, c'est fou quoi, des gamins, des anciens, c'est magique. Bon, on avait dit dans le vestiaire que peu importe le scénario, fallait rester concentré dans le match. Contre Lorient, on prend un but et on arrive à réagir. Et là, on a dit, ouais, c'est pareil, même si on prend un but, on reste focus sur ce qu'on doit faire. Et puis, on a réussi à marquer ces deux buts. À la fin, ils sont revenus, mais on a gagné au tir au but, donc c'était magnifique. C'était dur. Ouais, c'était dur parce qu'ils poussaient. Ils poussaient, c'est une très bonne équipe. Mais voilà, le principal, c'est la qualification en Coupe de France. On retient que ça, donc on est très content. Ouais, magnifique. En plus, je viens d'envoyer un message à Julien Stéphan, un coach pour qui j'ai beaucoup d'amitié aussi. Je lui ai dit à vous de faire le boulot et on vous attend à Bonal. Ouais. Donc voilà, bravo à tout ce qui a été fait. Comme je me répète, je l'ai déjà dit à ma présentation, que ce soit les gens qui sont autour du club, les supporters, les fans, les dirigeants, les joueurs, bravo à ce qu'ils ont fait. Je m'entraîne avec eux depuis une petite dizaine de jours. Ce que je vois aux entraînements et ce qu'ils produisent tous les jours, franchement, ils ont pas grand-chose à envier à beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué. C'est des joueurs qui ont faim, qui ont une belle maîtrise du ballon. Et en plus, c'est des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Donc franchement, encore ce soir, on l'a vu, hein, face à une très belle équipe de Reims. Hein, Reims en Ligue 1, ça a toujours été une équipe très très dure à manœuvrer. Franchement, bravo, parce que ce que j'ai vu ce soir, même moi, pour ma première, je vous dis, le public, les coéquipiers,